3, 2, 1, azione. Ragazzi, oh, ma qua abbiamo Gaetano, ma sai che la palle per l'anno benissimo. Sì, 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 sì. Ti ballete niente? No, no. Ma come no? Come no? Niente. Niente è italiano, perfetto. Gaetano, abbiamo le prove. Noi siamo le prove. Sì, sì. Le gara. Sì, c'è le. I nuovi che arrivano. Je reconnais le titre. Il tesoro del castello senza nome non è male. Cos'è il realizzatore del set? Pierre Gaspard 8. Pierre Gaspard 8, c'è ancora un realizzatore. Il capitaine Fracasse. Sì, sì, sì. Ha fatto un grimaldello. Oh là 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 là. Della generazione di André di Annabelle. Oui, 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 oui. C'était 1968-69, oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, oui. Et comment que tu as commencé à avoir la possibilité ça, d'entrer? Oui. Ça, c'était très drôle parce que le réalisateur, il avait fait une demande sur la télé. Il dit, je cherche un personnage pour un feuilleton. Ah. Et j'ai vu, j'ai dit, c'est moi, c'est moi. J'y suis allé. Il m'a dit, non, c'est pas vous du tout, mais j'ai quelque chose pour vous peut-être. Et... Bon, autre chose. Gaspard 8, Fanfan les tulipes, c'est les Gaspard 8. Oui, oui, oui. Tu fais déjà des jeux de prestige. Oui, j'ai toujours, j'ai jamais, le cinéma, j'ai toujours fait un peu... Celui-là, c'est vrai que j'ai demandé à faire, mais sinon, j'ai toujours fait un peu par hasard, par connexion, combinaison. De... Oui, c'est vrai que la première fois que tu entres dans une... Dans une usine. Cette cinématographique. Non, non, dans un magasin de la magie. Ah. C'était ta mère qui t'a amené. Parce... Oui. Pourquoi? Ah, parce que je... non, parce que je voulais. Avant déjà, j'avais mis un petit livre. Ça commençait avec les farces et attrapes. Les farces et attrapes. Mais les farces et attrapes un peu mécaniques. Le... Oui. La souris dans l'appareil photo. Bzz, bam, des choses là. La tache d'encre, mais qui est en plastique. Des choses comme ça. Et il y avait un petit livre de magie. Et. Dans le rayon, mais il n'y avait pas, je ne connaissais pas de boutique, rien, j'avais même pas 10 ans. Hein. Quel est ton premier livre de magie? Alors ça s'appelait Mes tours de magie par Luc Maigret. Luc Maigret? Oui, c'est un. C'est pas, pas les commissaires. Non, non. C'est magique. Et c'est vrai que ta bibliothèque, c'est énorme. Toi. Oui, mais maintenant il y a tellement. J'arrête un peu parce qu'il y a trop de livres. Je peux plus. Mais pendant longtemps, tous les livres, je les avais vraiment lus. Je les avais pas juste vraiment. Mis comme ça. Fechner me disait toujours, toi, tu as lu tes livres. Et l'année après que tu entrais dans la... Quel est le magasin où tu entrais? Mayette. La Mayette. La Mayette. C'était le seul. Il n'y avait pas d'autre. Mais encore c'est. Non, oui, 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 c'est toujours. C'est Duvivier qui a repris. C'est Duvivier, je. Qui a repris. Non, Julien, le reste. Non, non, non. Et après... Don Camillo. Don Camillo, Julien Duvivier. Ah oui. Et l'année après, tu as connu ton papa en magie. Dominique Webb. Dominique Webb. Oui. Ça... Et toi, tu es. Mais lui, c'est pas l'année après, c'est 2 ans après. 2 ans après. Ah, téléphone! C'est Duvivier. Bah, on retourne avec toi comme une, dans le monde du cinéma. Ouais. Toi, j'irai film avec Roberto Benigni, Gérard Depardieu. Mais ça, c'était. Voilà, ça, c'est une anecdote parce que c'est après Les Soudoués. Ah, longtemps après, le réalisateur, c'est Claude Zidi. Claude Zidi, Claude Zidi. Oui. Ils me font. Tu peux pas me faire apparaître des fleurs dans. Et c'est lui qui me dit t'es magicien, tu peux. Oui, bien sûr. C'est une journée de tournage, rien. Juste là. Oui, pour le. Rien. Et il y avait Benigni qui était. J'ai dit c'est qui ce loco? C'était un mois. Il venait de commencer la promotion, mais il n'avait pas eu le prix encore. Donc, il était venu. J'ai dit, mais c'est qui ce fou? Un peu comme toi. Donc, hop, hop. Comment c'est Catherine? Tu connais hein? Non, j'ai, pareil, j'ai eu 2 jours avec elle. Très sympa, très gentille. Sympa, oui, 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 oui. Parce que et le plus sympa que j'ai eu, c'était Coluche. Ah, c'était Coluche. Énorme. Dans l'inspecteur La Bavure, je fais une journée pareille. Zidi qui m'appelle. J'ai besoin d'un clochard. Coluche, et il m'avait mis de. Ça, c'était terrible parce que
je devais avoir les yeux très rouges. Il mettait de la menthe. De la menthe. De la menthe. De la menthe. Ah. Pour faire pleurer. Et on voyait rien. Et il pleuvait ces deux jours-là. Et on a passé, il y avait comme un camping, un bus, une van. Oui. Bon. Et on était toute la journée, Coluche et moi dans le camping. Et parler. À parler. A fait du tour. Et il y a une chose extraordinaire, c'est que j'aurais pu connaître Coluche, parce que j'avais plein d'amis qui connaissaient. Oui. Et qui disaient, viens, on va chez Coluche. Je dis, non, mais je ne connais pas, je ne veux pas. Bon. Et ça, c'est une anecdote vraiment bien. Et donc, finalement, je rencontre Coluche, et je dis, ah, ben. Depuis le temps, et je parle des amis, lui il connaissait pas la magie, je fais des trucs, waouh, bien. Donc, et très peu de temps après, il meurt. Ça m'a vraiment tellement touché, parce que pour moi c'était le plus génial de France. Oui, absolument. C'était un monument. Hein. Oh. Yeah, oui. Oui. C'est quand même lui qui a inventé les restaurants du cœur à la fin, qui continuent maintenant. Mais il travaillait en Italie avec Dino Risi pour le film Scemo di guerra avec Beppe Grillo. Oui. Beppe Grillo, che c'è un film. Mais l'histoire c'est que quand il meurt, on dit dans sa maison, ils vont mettre le corps dans le cercueil et les si on veut venir le voir dans la maison, faut faire la queue la nuit. Et j'ai dit, et je rentrais d'un gala, et j'ai dit, je veux y aller. Et je connaissais la maison, mais j'étais jamais allé. Et il est 2h du matin, et je suis le premier, il n'y a personne. Et toute la nuit, je prends des notes, je sais pas, c'est long. Et à 6h du matin, il y a un gars, il vient rentrer les poubelles. Non, quand j'arrive à 2h, il y a un gars, il sort les poubelles. En basoure, hein. Et moyen, bon, voilà. Et puis j'attends. Et à 6h, il rentre. Maintenant, il y avait 50 personnes qui étaient là, plus. Et il me dit, mais t'es pas Gaëtan? J'ai dit, si. Il me dit, ah, mais je t'ai connu au théâtre, machin. Je dis, pourquoi tu m'as pas dit tout à l'heure? Il me dit, viens, avant les autres. Et je viens. Et alors, c'était une petite maison, mais c'était comme un peu comme Disney. Tu sais, tu vois, à Disneyland, la maison hantée. Oui, parce que la maison, tu dis, c'est tout petit, mais en fait, il avait tout construit en dessous. Oh, il y avait une piscine. Oui, il y avait une piscine, il y avait des. Immense, énorme. Ah. Et il m'amène, et il y a le cercueil. Et je vois le cercueil de Coluche, qui était fermé. Et sur le cercueil, il y avait deux gants de boxe rouges. Rouge. Oui. Et ça me donne, tu vois, quand je dis ça, et je dis. Merde. L'idée des cartes avec les gangos, ça vient de là. Parce que Coluche, mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, il avait fait, il y a longtemps, un sketch où il jouait du violon avec les gangos. Et je suis sûr que c'est là que j'ai eu l'idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire de magique avec les gangos.